Eh vas-y, je vois rien, y a rien sur l'écran. Bah c'est normal, on n'a pas enlevé le cache de l'objectif. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Ah génial, ça fait plaisir d'être ici. Ah bah ça va changer un peu que ce soit nous qu'on voit à l'écran, on est quand même plus beau. Attends, je vais me mettre là-bas. Je lève les bras très haut. Est-ce que je dépasse de l'écran? Non, vas-y, c'est bon, t'as de la marge. Ah, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo, mais tu crois qu'il va nous gronder, Bertrand? Ah bah c'est bon, j'en ai marre de voir toujours ta même tête de barbu. À un moment, ça suffit. Oh bah qu'est-ce que t'as contre les barbus? Ah bah c'est bon, le prenez pas pour vous, venez plutôt nous rejoindre. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous apprendre à faire un dinosaure. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un rouleau de papier toilette vide. Ah bah ça tombe bien, en ce moment il paraît qu'il y a plein de gens qui ont fait des réserves de papier toilette. Allez vas-y, viens Francis. Et voilà le papier toilette. Et dis donc, t'aurais pas perdu un peu de poids toi? Bah là pourquoi? Bah t'as à peine la peau sur les os. On va avoir besoin d'un stylo. Un stylo, je sais exactement où en trouver un. Il est un peu gros, mais c'est parfait. Wesh, il est un peu lourd. Avant de passer le stylo, on va aplatir le rouleau de papier toilette. Allez-y, les deux costauds. On pousse. Oh là là, ils sont balèzes, les mecs, quand même, hein. On va mettre le rouleau bien en place et on va tracer des lignes qu'il faudra bien respecter. Hé, attendez, vous avez laissé le stylo fermé. Attendez, je vais vous aider à l'ouvrir. On dessine et on va mettre un gros plan pour que les gens voient bien. Ah bah c'est bon, tu vas pas laisser l'image 3 ans. Attends, il faut que les gens y voient bien. Ah mais non, c'est pas des idées, reviens à l'image. Maintenant, on va pouvoir découper le rouleau selon les traits qu'on a tracés. Sinon, ça servait à rien de tracer les traits. Et je sais exactement où trouver ce qu'il nous faut. Ils ont remporté la vie, et ils nous ôteront jamais notre liberté. Voilà! Et c'est bon, Dédé, arrête de faire l'idiot, tu vas finir par te faire mal. Reviens plutôt ici pour découper. Les enfants, observez bien le geste, il faut être très précis. Le résultat est vraiment bien. Après, on retourne la tête et on retourne la queue. Et c'est fini! Peut-être qu'il fait pas très vrai, on va rajouter quelques détails. Allez, en route les gars! Ah bah non, quand même pas, il faut mettre du rouge. Ah, je vais mettre de la couleur. Même chercher la peinture violette. C'est vraiment pas mal. Ah, il est vraiment plus vrai que nature. Oh dis donc, c'est même pas normal. Oh dis donc, il y a une foule de la lumière. Allez, allez, allez. Allez, partez, partez. Oh, au secours, j'ai peur. Je vais pas faire. Viens vite. Ça suffit, je suis le robot de l'espace, sa sœur de dinosaures. Je ne vais pas vous laisser faire. À l'attaque des dinosaures! Bon, bah, finalement, quand Bertrand il fait ses vidéos, c'est pas plus mal. Parce que là, on a vraiment fait les idiots.